En tout cas, pour ce qui est de Dark Souls, on va continuer ce qu'on était en train de faire la dernière fois. Et je me rappelle plus trop ce qu'on était en train de faire. On avait fait sonner la deuxième cloche, je crois bien. Force 40, c'est bien. Je suis dans l'aventure de Witcher 3. Content que tu stream du Dark Souls, ça fait plaisir. Ah, Dark Souls, c'est indémodable, hein. C'est indémodable. Il y en a pour un bon moment là pour Witcher 3 par contre. Hein. Facile une centaine d'heures, hein. Même plus. Alors, on va rester comme ça pour le moment. Ok. Non, là-bas. On va passer par le... Je me rappelle plus du nom. Le château machin avec tous les pièges là. L'ambiance et l'immersion dans Witcher 3 est impressionnante. Surtout le souffle du vent, la musique, les dialogues. Y a énormément, c'est vrai, c'est vrai. J'avoue que c'est même un peu trop à la limite, moi je dirais. Il y a tellement de choses à faire, c'est genre un jeu, on peut y rester plusieurs années dessus, quoi. Après, je parle même pas des DLC qui rajoutent encore. Je vais voir si on peut pas augmenter un peu nos armes ou même changer d'arme peut-être. Witcher 3, c'est même un jeu que, à la limite, on a du mal à finir. Enfin, il y a tellement de choses qu'au bout d'un moment. Enfin, moi je l'ai pas fini par exemple. J'y ai beaucoup joué, mais j'ai jamais fini. Enfin, le but c'est même pas de le finir quoi, c'est de. De faire tout ce qu'il y a à côté, quoi, il y a tellement de choses. J'ai bien envie d'utiliser le C noir, mais bon, c'est un peu chiant, quoi. On va voir. Go get yourself killed. C'est pas énorme les dégâts. Hein. Pas gigantesque les dégâts.
Je vais prendre 2 minutes à... À changer d'équipement et après on y va. L'équilibre des armes est tellement mieux dans Dark Souls comparé au 3. Ah! Après, je pense que c'est surtout des préférences. Hein. 18.3. Ok, 18.3, ça passe. ?5, non. Par contre, j'aime pas ces gants. Non, bah, je crois que je suis bloqué avec. Je suis bloqué avec ces gants alors. Bon, on va jouer comme ça. Je suis assez d'accord avec ça. Entre les trois, j'aime beaucoup tous les trois jeux, mais c'est vrai que le 1 reste quand même celui que je préfère, on va dire. Et celui qui me dérange pas. Ça me dérange pas d'y rejouer en fait. Voilà, tout simplement. Ah merde, on a pas assez de. Ah si, 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 si. Ah non, 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 je les ai utilisés, non, la dernière fois. Ah. Hop là. Well, you need it. Évidemment. Voilà. C'est noir divin. Ça fait tellement étrange. Voilà. 278, ça va, c'est pas 286. C'est pas énorme, mais bon. Ça va passer pour ce qu'on fait de toute façon. C'est pas vraiment dur. On y va. Allez, venez-vous. Voilà, ça c'est fait. Ah! Elle est sympa cette attaque. Ah, c'est marrant. C'est marrant de courir avec le tranchoir comme ça là. Lui, il va se faire foutre. Hop, on passe. Oh, l'arnaque, il se fait même pas toucher, quoi.
Bon, c'est là, normalement, on va crever. Ah, laisse-moi passer. Voilà. C'est un mimique, ça? Je m'en rappelle plus. Non, c'est pas un mimique. Pas mort, toi. Elle casse le mur. Merci. Par contre, me tue pas. Ah, la portée de Saraz! You seem quite easy. A rare thing in these times. I am Logan. I am old and empty this place. Et dans le premier, tous les persos sont intéressants. C'est tellement beau. Après, il y a les démons en bas, mais bon. Pff. On n'a pas vraiment besoin d'y aller, ils sont pas vraiment intéressants. On va attendre. On va aller aider notre pote aussi. Ils sont pas censés crever, eux. Touche pas mon copain. Pas l'air con. Taper contre le mur. Ah. Ok. Ah, so you see my plight. Yes, indeed. I've run up against a wall, or a ball, to be precise. I'm afraid I'm a bit too tough. To be outrunning those things. So here I sit in quite a pickle, but who knows? Perhaps we'll have another development. Perhaps I could try some rolling. Bah, no chance. My head would spin.
Perhaps I could try some rolling. Bah, no chance. My head would spin. Bon. Bon, bon, bon. On continue sa quête. On va attendre. Salut l'artichaut. L'iPhone X. Non. Non, non, je m'en fous un peu en fait. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a de spécial celui-là? Voilà. Ah, boule. Ok. On est bon là ou pas? Non, on est bon. Je vais pas tout récupérer par contre, parce que ça va être chiant. Ah, on est au maximum, merde. Faut... Ouais, d'abord il monte, j'avais oublié ça, tu vois. Voilà. D'abord faut qu'il monte. Ah, 1300€. Ça va? Avec ce prix-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Avoir un très bon ordinateur, prendre un billet d'avion, faire un voyage. Ça va? Je me rappelle plus ce qu'il y a en bas là. Ah non, les boules elles s'empilent. Ça, je me rappelle, les boules elles s'empilent en fait. Voilà. Que j'ai besoin d'aller là en fait? Non, pas vraiment. Ah, ça c'est pour les démons en fait. Eh merde. Est-ce que j'ai envie d'aller tuer les démons? Non. Non, 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 non. On va pas y aller. Ils se font pas chier quand même pour les prix, hein. Putain.
World of Final Fantasy, ouais, il est top. Je l'ai toujours pas fini en plus, le mien. Celui-là. Sur Vita. Mais c'est vraiment un très bon jeu. Ah, merde. Par contre, sur Steam, j'ai remarqué, mais en fait, j'ai remarqué après avoir fait la vidéo, il y a écrit que solo, alors que, en fait, sur PS4 et sur Vita, on peut échanger les monstres. On peut échanger les monstres et on peut combattre aussi, je crois. On peut se combattre l'un l'autre. Alors que sur Steam, la description, il y a écrit juste un seul joueur, donc normalement, il devrait dire que il y a des échanges possibles, mais il n'y a pas écrit ça. Donc je me demande s'ils l'ont pas enlevé cette mécanique. Je suis légèrement perdu en fait. Non, là non. Après on peut monter. Ah, ça m'a tué, putain, sa mère. J'aime pas ces boules, elle tape plusieurs fois en fait d'affilée. C'est peut-être exclusivement dédié à Sony. Ah, je sais pas. Enfin, c'est un peu con parce que bon, c'était sympa de pouvoir échanger les. C'est un peu. Bah, c'est très Pokémon, hein, mais bon. C'est sympa quoi. C'est bizarre qu'ils en parlent pas. Ah putain. J'ai encore du mal avec la portée de ce truc en fait. Je suis sûr que je vais recrever. Ok, pas de backstab, c'est pas grave. On passe. T'as les rochers ou pas? Non, il n'y a pas les rochers. Ah merde. Putain. Pêche! Oh la vache. Par contre, je suis complètement perdu. Ah non, c'est là, voilà.
On passe. Ça va. Je me rappelle plus. Est-ce que l'autre me suit ou pas? Ouais. Ça va, je peux bien les stunlock, c'est cool. Par contre, je sais plus où sont mes âmes, donc je crois qu'on va laisser tomber. On va complètement laisser tomber parce que je sais plus du tout où faut passer. Putain, trop tard! Non, ça va, on est passé. Ah bah voilà, on est passé. On va prendre le feu. Ça, tu l'as bien calculé ta putain de bombe. Hein. La vache. Pêche. Voilà. Ok, deux petites secondes. Est-ce qu'on va récupérer nos trucs ou pas, nos âmes ? Je sais pas si ça vaut le coup en fait de tenter. Je sais même pas où elles sont en fait, mes âmes. C'est pas grave, on s'en tape. Bon, va te faire foutre. Ah, il est en haut l'autre. On va se faire lui. Je sais pas si on peut les backstab, je me rappelle plus. Non, je pense pas. Waouh, ok. Ça va, je crois. Niveau dégâts, je gère, ça va. On est bon. Ah, dans la tête. Fuck.
Oh putain. Ah, c'est bon. Allez, laisse-moi passer, putain. Je me rappelle plus trop quoi. Je crois que c'est quand la chaîne elle est en cercle, c'est des coffres. Et quand elle est pas en cercle, c'est des mimiques. Et je crois qu'ils ont pas de lock aussi. Non, ils ont des locks. Bon. Je crois que c'est la chaîne. Pas mal de jeux qui viennent en fin d'année là, c'est pas sympa. Il y en a quelques-uns quand même, plutôt cool. Et des DLC aussi pour d'autres. Genre comme The Surge et tout, c'est pas mal. On va avoir des trucs à jouer. En one shot. Ah tiens, faudrait invoquer Tarkus. Putain, je vois rien, bordel de merde. Ah là il s'énerve. T'as tout loupé mec. Et voilà. Ah, je veux combattre avec Tarkus moi. Y a pas de feu là-bas, hein, on est d'accord. Non, y a rien. Ah, y a le magasin aussi, le mec, le chevalier là, le dépressif. On va aller le voir. Ah oui, il y a ce côté là-bas. Je crois qu'il y a une arbalète à récupérer ou un truc comme ça. Putain de mur à la con. Voilà. Ah. Allez. Yes. Salut Anori, bienvenue.
Alors, qu'est-ce qu'on veut de lui? Pas grand-chose. Pas grand-chose. There's nothing more to say. Go along, try and make up enough. Pas grand chose. Toc, toc, toc. On va mettre les bombes si jamais on en a besoin. On sait jamais. On va mettre le feu. On sait jamais. Ouais. Waouh. Presque. Quoique non, en fait, on va mettre les os. Voilà. On va aller invoquer notre bon vieux Tarkus et le regarder combattre. Voilà, ça c'est fait. Putain, saute pas, qu'est-ce que tu me fais? Eh, on se pousse. Putain, en français c'est Tarkas, ah! Dégueulasse ce nom, Tarkas. C'est Tarkus. Allez, on y va. Allez, à toi de jouer. Ouais, vas-y. Bien joué, belle protection, belle roulade. Oh non, 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 non. Ah, j'ai eu peur. Pas mal, pas mal. Belle esquive de Tarkus. Et là non. Tarkus est bloqué comme un con. Je viens de me prendre une baffe. Je suis spectateur commentateur, c'est ça.
Donc Tarkus est complètement bloqué. Donc je suis dégoûté parce que bah, du coup je vais devoir combattre. Waouh, super. Ah, ça y est, il s'est débloqué. Ça y est, ouh, ça y est, il enchaîne. Il enchaîne les coups. Oh non, il va se faire éjecter. Waouh. Bon, bah merde, hein. Regarde-moi ça. Allez, tombe, salope. Allez, tombe. L'autre jambe. Allez, ciao. Bon, ben, ouais. C'est un peu triste, quand même, hein. C'était... Ah bah là je suis complètement déçu là, ça m'a complètement fané. C'était pas difficile hein. Je suis triste. GG, merci. Merci beaucoup. Mais bon, j'aurais bien voulu que Tarkas réussisse. Et nous arrivons à la cité des dieux. Ah, la cité des dieux. Un Orlando. En tout cas, pour reparler du boss, j'aime bien sa hache. Elle est plutôt cool. Ah putain, eux, ils vont faire chier. J'aime pas les combattre, eux. Salut, ça va? Ça baigne? Ça va? Ah! Ah! Mal esquivé. Ah! Putain, mais je leur fais mal! Vache! Non, mais arrête avec ton bouclier, tu me fais chier! Ah! Merci. Il m'a répondu, ouais. Salut Vrongturn. Vrongturn. Bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Allez, viens ici, toi. Salut Rafix, bienvenue. Hop là. Hop là. Non, non, non. Tape. Ah ah. Merde. Non, non, fais pas des pas en arrière, ça sert à rien. Regarde, regarde. Je suis trop fort. Boum. Oh putain, ça va, sympa. Merde. C'est chiant de taper leur bouclier. Allez. Ah putain, j'ai loupé. Ah, toi tu veux jouer au con, toi. Toi je te sens, toi. Toi je te sens que tu veux jouer au con, toi. Ah! Il m'a touché de la pointe, putain. Ah! Et ouais. Pas assez de temps. Ah. Ornstein.
Un truc que j'avais bien aimé quand même dans Dark Souls 3, c'était le fait de revoir Anor Lando. Ça c'était cool quand même. Ça c'était plutôt sympa. Well, you are a rare visitor. Welcome to the lost city of Anor Londo, chosen undead. If you seek Lord Gwyn's old keep, exit here and head straight yonder. If you are the chosen one, a revelation shall visit thee. What follows thereafter depends upon you.